some meat with Bama Brady, man, some football. Mademoiselle Lune Krishna, porte le numéro 10. Bonsoir, mademoiselle. Abyan Aoi, tout ce n'est qu'une squale, Kenya Pong Bandi. Je me suis de Arknel, je m'appelle Lise Krishna Lek, j'ai 22 ans et je suis étudiante en commerce, marketing et communication. Si vous le permettez, je vais poursuivre mon discours en français car je suis cambodgienne, certes, mais de France. Donc ainsi, mesdames et messieurs, membres du jury et chers invités, c'est avec une immense gratitude et fierté que je me tiens devant vous en tant que représentante de la grâce, de la beauté et de la culture cambodgienne en France. Cette expérience est bien plus qu'une compétition d'élégance, car selon moi, elle permet également de défendre et représenter les valeurs de notre culture au cœur de la société française. Donc je vous invite à rejoindre avec moi cette aventure, à célébrer ensemble la richesse de notre patrimoine, et rassembler nos deux communautés. Merci de me donner cette chance de pouvoir représenter la fierté cambodgienne en France. Je suis prête à relever ce défi avec grâce, détermination, mais surtout amour. Merci à tous.
Merci mademoiselle, merci Lise Christina et à porte numéro 10. Chi bo to som krup chen kanya sok vichara ba da mien pea sna leik 11. Bonsoir mademoiselle Vichara, bonsoir. Som nu doy khnia ba oy anyat oy tosnak chen skwal kanya phok ban ti. Allez, on vous laisse le micro. Merci de vous présenter auprès de nos spectateurs. Allez. Chao somokon. Som chebrim su lo gusrai na nyan kanya tan ah. Bonsoir les membres du jury. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Sok Vichara, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de licence économie et gestion dans le but de travailler dans la finance. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai sauté ma classe de CP. L'objectif ultime, c'est d'aller travailler au Cambodge car moi aussi, j'aimerais faire partie de ces personnes qui font évoluer notre pays. Depuis ma naissance, je suis imprégnée de la culture khmer et j'ai consacré plus de 12 ans à la danse cambodgienne avec l'association HBK et anciennement l'association Samkikon Khmer. Grâce à mon titre de Miss Cambodge en France, je souhaite inspirer les jeunes générations à être fiers de leurs racines, à avoir confiance en eux et à comprendre la valeur de notre héritage. Comment ? Eh bien, via les réseaux sociaux. Si je me tiens devant vous ce soir, c'est parce que j'estime être la meilleure personne pouvant vous transmettre la richesse et la valeur de notre culture cambodgienne en France. Tiktiet lo lok sai na nyang kanya tam ah na khreng khnyom bang hai ne rong de soirée hai khnyom chong ah kon ma khnyom hai nang tatan na khnyom la ban de hai chnai rong dot sa sa sam wa kon si merci Vichara, merci et porte numéro 11 so mo kon ni ka ba ta ti bo to ta ni ku ki na ne pe sla le do pi ka na Victoria. Bonsoir Victoria, bonsoir. Allez, bonsoir, on a envie de savoir un peu plus sur vous. Je suis Mme Kanakamaka, le homme, le pou, le min. Je suis Victoria, et je suis Prechinam. Je suis actuellement étudiante en prépa optique et je souhaite en faire mon métier pour devenir optométriste. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de dynamique, souriante et passionnée de fitness et de danse. Notre pays, le Cambodge, est un si beau pays avec une magnifique culture qui mérite d'être davantage valorisée. Si j'ai la chance d'être élue ce soir, ce que j'aimerais porter, le temps d'une année, bien plus qu'une couronne, ce sont des valeurs de partage, de bienveillance et de bonheur à tous ceux que j'aurai la chance de pouvoir rencontrer. Je vous remercie à tous de contribuer à l'évolution de notre pays. J'aimerais pouvoir inspirer les jeunes, et notamment toutes les jeunes filles qui nous regardent. Somme en chien sa baillerie, ton orkni, knon ritreni. Somme en ton, tchon poka, tchon bram, apon sato, d'avoir fait un khmer, pipoa nous faille. Merci à tous, et passez tous à une bonne soirée. Merci à vous, merci. Apporte numéro 12. Allez, on invite mademoiselle Sereloat. J'ai eu la chance de grandir dans l'héritage de la culture khmer. D'y avoir pied à terre, mais également d'y avoir travaillé en tant que sales manager au Sofitel de Phnom Penh. Mon présent est dorénavant lié par ma présence devant vous, car je me présente devant chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, pour représenter le Cambodge en France, pour vous représenter. Alors j'espère que mon sourire et que mon amour pour notre pays vous convaincront. Merci, je porte le numéro 13. Merci mademoiselle Sereloat. Chibato som krup chen kanya phuoch Maryland da mien peak slak leik 14. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir à vous. Sum nu doy khnia ba chebrim su anyat oy tosnak chen skwal kanya phok ban ti. Chebrim su ap lok lok srei. Khiem chmuoh Kuoch Marie-Hélène, khiem ayuk 24 chnam, khiem kat nou Paris 11, khiem nou Lemay-sur-Seine lou Chetampal, khiem mien bong prah 3 nak, prah 2 srei 1, opop modai khiem kat nou Sok Mae.
Après avoir obtenu un bac technologique, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales avant de devenir responsable de vente. Puis par la suite, j'ai obtenu un bachelor en marketing et business dans le secteur du luxe en option luxury sales and travel retail afin de devenir, afin de devenir responsable marketing. Cependant, j'ai choisi de me consacrer à ma passion qui est les ongles. En tant que personne minutieuse et perfectionniste, ce métier me correspond parfaitement. En parallèle, je suis également modèle photo, que ce soit pour des collections de prêt-à-porter, robes de soirée ou même mariée. Je travaille également dans l'entreprise familiale qui est spécialisée dans le commerce de tabac. Participer à Miss Cambodge représente pour moi bien plus qu'une simple expérience. Je souhaite représenter et faire découvrir la culture, la richesse et mes origines au plus grand nombre. Et merci, j'aimerais... Merci, mademoiselle. Merci, Marie-Hélène, merci. Bonsoir, Lisa. Bonsoir à tous, je m'appelle Lisa, ou Tchandara en Khmer, qui signifie lune étoile. J'ai 24 ans et je viens actuellement d'être diplômée d'un Master 2 en école de commerce, dans le marketing digital. Pour tout vous dire, me présenter ici devant vous n'est pas un rêve de petite fille, mais je dirais plutôt que c'est un rêve de grande fille, de jeune femme. Et c'est grâce à mes expériences de vie et à ma famille qui est venue ici ce soir que j'ai eu le courage de me présenter ici. Et c'est un honneur pour moi, une fierté d'ailleurs, d'être ici présente sur scène avec ces belles jeunes femmes et de promouvoir la culture khmer et représenter mon pays d'origine, celui de mes parents, et concilier cela avec le pays où j'ai grandi, la France. Je me souviens que quand j'étais petite, je regardais souvent des vidéos sur comment avoir confiance en soi. Et aujourd'hui, je suis fière à 24 ans d'être ici sur scène et de dire que j'ai enfin confiance en moi. Et c'est ce que j'aimerais transmettre à la jeune génération, aux jeunes Cambodgiens et aux jeunes Cambodgiennes, de toujours les encourager à croire en eux et à croire en ce qu'ils peuvent accomplir, à sortir de leur zone de confort et à faire preuve de courage. Car, et aussi à surtout ne pas avoir peur de l'échec, car pour moi l'échec est le début de la réussite. Merci à vous mademoiselle, merci. Et à porte numéro 15. Je vous remercie de vous accueillir Vanessa et de vous accueillir. Bonsoir mademoiselle, bonsoir Vanessa. Bonsoir mesdames, messieurs, membres du jury, cher public. Je me tiens ce soir devant vous avec un sentiment de fierté et d'honneur en tant que candidate pour l'élection de Miss Cambodge en France 2024. Se préparer pour représenter le Cambodge à travers cette compétition a été une aventure qui m'a permis de découvrir un peu plus sur notre pays, le Cambodge, tout en me questionnant sur ce que signifie réellement le Cambodge, enfin, cambodgienne, pardon, ce que signifie être réellement être cambodgienne pour moi. Être cambodgienne avant tout, c'est de porter avec fierté les privilèges, l'héritage culturel et historique que nos parents, nos grands-parents nous ont transmis, ce dont la force et le courage leur ont permis de bâtir une nouvelle vie en France. Et transformer cette nouvelle former cette diaspora cambodgienne que nous connaissons peut-être que nous connaissons aujourd'hui, solide et unie. C'est aussi être consciente de l'importance des danses traditionnelles, de perpétuer ces traditions qui sont des liens véritables avec nos histoires, notre Cambodge. Être cambodgienne aussi avant tout, c'est être ambassadeur de cette identité unique tout en partageant la même histoire, la même culture avec le monde, avec la France, et en préservant aussi le patrimoine avec nos nouvelles générations. Merci Vanessa, je vous remercie beaucoup. Nous allons pour mademoiselle Sophie, porte numéro 17. Bonsoir, j'espère que vous passez tous une bonne soirée. J'ai décidé de tenter ma chance ce soir pour participer à Miss Cambodge en France 2024
car je voulais représenter mon pays d'origine. Je serai toujours reconnaissante envers mes parents de m'avoir fait découvrir le pays, la nourriture, les personnes, les vêtements. Donc aujourd'hui, je suis très fière de porter une tenue traditionnelle accompagnée de très belles jeunes femmes. Faisant partie de la nouvelle génération, j'ai une cause qui me tient très beaucoup à cœur, c'est la santé mentale. Donc ce que je voulais vous dire, c'est ok de ne pas bien aller et c'est ok aussi de se faire aider. Donc, ce qui me reste à vous dire, c'est de profiter, vivre la vie à fond, aimer à fond. Je tiens à remercier mes amis, mes parents et aussi beaucoup mes parents. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci, Sophie. Elle porte numéro 17. Je suis désolée, je vais devoir continuer en français, malgré que j'aurais aimé le faire dans ma langue maternelle. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Massé de Léani, j'ai 19 ans et je suis étudiante en communication. Mon premier objectif serait d'aller au Cambodge pour y apprendre la langue et visiter ce pays qui m'a tant intrigué par son histoire. Et surtout, je suis une fille assez simple dans la vie qui est restée en famille. Et surtout, profiter de l'instant présent car nous ne savons pas de quoi il fait demain. J'ai beaucoup de chance d'avoir une très grande famille. Elle m'a appris le respect, la gentillesse et l'entraide. Et si ce soir je suis devant vous, c'est pour montrer à ma famille et mes parents que je suis fière de mes origines, fière de ma culture et fière de ce qu'ils m'ont transmis. Si vous me donnez la chance d'être illumine, j'aimerais en savoir davantage sur l'histoire, les cultures et les traductions au sein de la communauté Khmer. L'un de mes objectifs qui me tient vraiment à cœur serait de parrainer un enfant pour qu'il puisse avoir la chance de faire des études et faire un métier qu'il aime, car ne l'oublions pas, les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Pour finir, j'aimerais remercier le comité, le jury et le président d'honneur pour leur investissement et leur amitié. Merci, mademoiselle. Merci à tous. Merci à vous les filles, merci. On se voit tout à l'heure, je vous laisse vous rejoindre dans la loge. J'ai pas tant d'années, la même temps, quand vous êtes le voyageur. Hãy tập về với lia ở đó, bay canary đồng bay plato, sơn lim bờ bè, sơn rạp chốt tì bay, vô chơi chốt trong cài nút, sơn on long long say nên cái nhà đi nuôi, chỉ muốn nâng được bằng chrome mà.